Salut à tous, Eric Le Gauthier et la Go Music avec aujourd'hui pour vous grande première une explication pour le piano. Voilà, c'est un morceau que j'ai découvert comme ça sur le net et tout, et voilà, je flashais. C'est des fois il y a des coups de cœur comme ça qui arrivent. Et là, sur ce morceau-là, c'était coup de cœur. Donc, le titre original était composé par Kenneth Heath, groupe américain. Et donc là, c'était repris par Kitty, Daisy and Lewis, qui sont un groupe anglais, voilà, qui jouent en famille. Voilà, c'est la petite caractéristique, entre autres. Ils jouent super bien, ils sont tous multi-instrumentistes. Mais enfin, voilà, il y a deux sœurs, il y a un frère, le papa et la maman. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer à la guitare la partie du papa et au piano la partie du frangin. Voilà, donc j'ose espérer que mon montage initial de démo n'est pas trop foireux, parce que je ne sais jamais faire des montages. C'est quand c'est... J'ai un peu de matériel, mais je ne sais pas le mettre à profit, ce qui fait que ça fait toujours des trucs pourris. Qu'on fait l'introduction du tuto de Where is my mind. Je suis tombé dessus l'autre fois, j'étais scandalisé. Je me disais même, faut peut-être l'enlever. Vraiment, c'est pas bien. Voilà, et bah, attaquons pour la partie de guitare, et après je vous montrerai comment on peut intégrer le piano dessus. Alors, pour les accords, il y en a trois. Voilà le trois et demi. Voilà le premier, c'est un si majeur. Vous barrez tous les septièmes cases avec l'index. Si vous faites une position de mi majeur avec les doigts restants, donc annulaire, du coup, étant neuvième case de la corde de la, petit doigt neuvième case de la corde de ré, et majeur, huitième case de la corde de sol. Si majeur, c'est comme ça. Qui deviendra parfois, voilà le demi-accord, on enlève le petit doigt, on devient si septième. Des endroits stratégiques dans le morceau, ça fera vraiment super. L'autre accord, c'est un mi septième qu'on va faire comme ça. Enfin, en tous les cas, que le papa du ram fait comme ça. Au début, je ne connaissais pas ce positionnement. Je connaissais l'accord neuvième comme ça. Mais celui-là est très sympathique. Ça nous évite d'avoir la sophistication un peu funky justement de la neuf. Donc, comment je fais? Je me mets en septième case de la corde de la avec le majeur. Sixième case de la corde de ré avec l'index. Septième case de la corde de sol avec l'annulaire, et le petit doigt tout au bout, septième case du petit mi. Et l'idée, c'est d'arriver à bloquer, en plus d'avoir appuyé bien là, de bloquer la corde du gros mi, avec le bout du majeur, là, bim, ça touche, donc du coup, ça bloque. Et la corde de si, elle sera bloquée par l'intérieur de l'annulaire, par exemple, ou des petits doigts, enfin bref, il faut qu'il y ait un bout de doigt qui touche le si, quoi. Et le gros mi, du coup, donc ça c'est le mi septième. Si cela vous embête vraiment, vous faites un mi neuvième. Bon, hein, le petit doigt, vous le ramenez une corde vers vous. Donc du coup, septième case de la corde de si, vous bloquerez le gros mi et le petit mi. Là, il est plus simple. Mais il sonne pas comme il faudrait. Mi septième, le dernier accord, vous décalez votre position de une, deux cases à droite. Continuez à bloquer le gros mi de la corde de si. Ça donne un accord de fa dièse 7. Voilà, c'est tout pour les accords. Alors on va voir la rythmique déjà, comme ça après on n'aura plus qu'à enquiller les accords dans le bon ordre. Donc nous avons 8 croches par mesure, nous sommes sur un morceau voilà, standard à 4 temps, et un découpage en croches shuffle, c'est-à-dire qu'un découpage en croches binaire ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en croches shuffle, ou appelé croches ternaire, ou swing, ou machin. Ok, on aura tout le temps ça, sans arrêt. La petite rusounette, vous placez sur le premier accord le si majeur. Essayez déjà une fois de bien faire sonner l'accord pour être sûr. Je fais ça déjà avec moi. Bon voilà. L'idée, ça va être que sur le quatrième. Oui, la quatrième et la huitième croche, vous allez relâcher la pression des doigts ici, de manière à avoir une remontée en dead note, ce qui va donner. Vite, ouais, c'est comme d'hab, ça fait genre. Qu'est-ce qui nous explique? Je vous le fais et j'augmente la vitesse progressivement. Comme un train. Ça marche. Sur la partoche que vous pourrez télécharger sur galagomusic.com, nous avons également deux accents placés respectivement sur la troisième. Et la septième croche, donc à savoir la croche vers le bas qui précède le retour muté. Ah, ça en fait du lexique tout ça. Donc ça va donner ça, de manière à avoir vraiment l'impulsion comme donne Daisy
C'est ma petite amoureuse du groupe, Daisy. Bref, sur sa caisse claire, quoi. Donc, du coup, ça donnerait ça. Donc ça, c'est à bosser vraiment, vraiment beaucoup. Alors même, faites tourner l'enregistrement, ma version de référence. Je l'ai indiqué dans la boîte de description YouTube, de manière à ce que vous puissiez l'écouter et tout. Je repiquais ça là-dessus. On se dit, c'est fastoche, c'est toujours pareil. Sauf que non, parce qu'il faut arriver à tenir le tempo, et ça, c'est pas évident. Donc vous, une fois que vous commencez à bien maîtriser le truc, vous lancez le truc sur YouTube, vous l'écoutez, et vous essayez de jouer avec eux. C'est la meilleure manière de progresser sur ce type de morceau. Ok, on le fait dans l'ordre. Donc, une mesure, c'est donc 7, 8. Ok, c'est une mesure. Donc, dans l'introduction de la première partie, nous avons quatre mesures de si. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, et que la guitare, il n'y a pas de chant. Ensuite arrive le chant. Partie A, nous avons quatre mesures de si également. Let's go. Deuxième. Troisième. Et là, vous voyez que j'ai marqué 6-7 entre parenthèses, parce que soit vous faites continuer à faire le si très bien, soit vous faites le 6-7e. 6-7e, si c'est un accord 7e, c'est un accord de 5e degré, ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'harmonie. J'ai un cours d'ailleurs là-dessus, hein. Bon, il est payant, mais vraiment je pense que ça pourrait vous être utile, notamment dans ce cas de figure. Bref, en tous les cas, accord de 6-7e qui appelle le Mi 7. Deux mesures. Si majeur. Deux mesures. Fa dièse 7. Majeur normal, si vous reprenez le A à nouveau. Autrement, quand vous allez vers le B, à la fin de la mesure, à la fin de la partie A, on a une mesure de si, et là on ferait un si septième également pour appeler à nouveau l'arrivée du Mi 7. Donc la partie B, puis ça y est, on aura fait le tour. 3, 4. Et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre la structure que vous trouvez sur la partoche en bas à gauche, là, où j'ai fait des espèces de dessins un peu chelous d'ailleurs. Alors donc, je vous fais tout depuis le début, l'intro. Donc ça, s'il n'y a pas de... Non, voilà, intro. 3, 4. 3. 4. Parti. I'm going down the country, baby, don't you want... Donc ça c'est fait, passons à la partie piano. Attention, effet sonore. Fantastique. Donc, mon espace n'est pas du tout adapté, hein, pour filmer le piano, donc je fais ça vraiment là. Par exemple, je suis debout derrière la caméra, super. J'espère néanmoins que vous allez vous y retrouver. Donc le do du milieu est ici. Ok, donc on descend sur la note si, tac. Ensuite, on attaquera Ré dièse. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu les notes, hein. Je ne fais pas trop le détail. Disons que c'est plus adapté aux personnes qui jouent déjà un petit peu de piano, hein. Si, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, Si, Flat, Sol, et on descend. Si, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, Si, Donc là, on fait des noirs. Ce qui veut dire qu'on est dans une mesure à quatre temps. On aura donc ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une mesure. Ensuite, 1, 2, 3.
4. Avec ce schéma, nous avons parcouru deux mesures du morceau. Donc, du coup, attendez, je... Voilà. Je recommence. Donc, imaginons qu'on est, on est sur l'intro. Non, bah non, parce que sur l'intro, il n'y a pas de piano. Imaginons qu'on est sur la première ligne du A. On terminera notre quatrième mesure par un 6/7. Alors déjà, les trois premières mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. 2, 3. Et voilà, la quatrième mesure. Ici, vous jouerez non plus le si, mais le la, si vous voulez jouer la septième. 1, 2, 3, 4. Pour appeler, encore une fois, le quatrième degré, notre mi septième. En mi septième, on fera ça. Mi, sol dièse, si. Je place 16 doigts et là. Mi, 5, 3, pouce. Après 2 par-dessus sur le do dièse. Ré avec le pouce. Do dièse à nouveau. Si, sol. Je refais ça, les deux mesures du mi 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fin, on a fait nos deux mesures. Ensuite, on reviendrait sur le si. 1, 2, 3. N'importe quoi. 1. Niveau doigté, là pareil, 5, 4, 3, 2, 1, partez. Voilà. Ensuite, le dernier truc, le fa dièse. Donc là, vous placez le petit doigt sur fa dièse ensuite. Donc l'accord de fa dièse 7, jouez la guitare. 1, 2. Alors moi, je fais une petite formule de fin, je fais 1, 2, 3. Walking bass qui me ramènera comme ça tranquillou sur le premier degré le si, donc le fa dièse à nouveau, 1, 2, voilà, n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, on a vu les trois positions. Maintenant je vous le fais, donc ça c'était les quelques étapes de main gauche. Maintenant la main droite, vous allez faire un accord de si majeur. Il sera renversé, enfin en tous les cas avec cette tronche-là, ré dièse, fa dièse, et si. Ça sera notre accord de si. Voilà. Si on veut le faire si septième, on remplacera le si par le la. Mais c'est même pas obligé, étant donné que la main gauche, tout à l'heure on avait vu qu'en passant le la ici, ça rendait l'accord septième déjà. Donc voilà l'accord de si. Ensuite l'accord de mi majeur. Donc les notes, ré dièse, fa dièse, si. Et un accord de mi majeur. Mi, sol dièse, et si. Ok. Si majeur. Mi majeur, et le dernier le fa dièse, comme ça éventuellement do dièse, fa dièse, la dièse, ou bien fa dièse, la dièse, do dièse, comme vous le voulez. Donc si, mi, voilà, fa dièse majeur. Ok, donc mettons les mains ensemble. Donc je suis très très mal installé, c'est affreux. Là je suis complètement penché et tout. Bon alors, on essaye quand même. Donc la main gauche, on a vu qu'elle faisait des noirs. 1, 2, 3. Et bien la main droite, elle va se placer à chaque fois en contretemps, c'est-à-dire entre deux notes de main gauche. 1. C'est cool. Hein. Donc là, je suis bien shuffle. Hein. Si la ligne de guitare, c'est ta, ka, ta, ka, ta, ça donnera la même chose. Ta, ka, ta. Toute la partie A. Attendez, parce que c'est très technique hein, tout ça. Donc là, c'est mon bout de partoche qui dépasse. Alors, donc, partie A, 3, 4. 1, 2, 3. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième. Mi 7. Je reviens. En si. 4, 1, 2, 3. Le fa dièse. Le si, deux mesures, et je vais passer vers le B dièse.
direct, donc je rebalance mon 6 septième avec le La au pouce. Pour rappeler le Mi. 6-7, on finit. Fin. Bon voilà, c'était ma première au piano, donc hein, soyez un peu indulgents. Je verrai bien ce que ça donne ce soir quand je ferai le montage. Ça se trouve, je vais trouver ça horrible, j'en sais rien. Enfin, je serais très déçu vraiment si ça faisait un truc pourri. Bon, de toute façon, je ne pense pas avoir le temps de le réenregistrer. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez la version vraiment la plus fraîche hein, possible, c'est-à-dire la première. Voilà, voilà, donc... Pour ce morceau, vraiment, faites des covers et envoyez-moi ça. Donc, faites des covers. Bah, tout seul, c'est bien. Mais si vous êtes 7-2, par exemple, c'est encore mieux. Quoi. Ça pourrait être même 3 avec un chanteur ou une chanteuse. Ou si je savais faire de l'harmonica, je vous montrerai des plans d'harmonica. Mais là, par contre, je suis une bille, donc non. Mais faites vos trucs. Voilà, c'est un support. Ce morceau, vous pouvez jouer à n'importe quel tempo. Le tempo est indiqué maintenant sur les partoches. Celle-là, c'est 134, hein, il me semble. C'est pas indiqué sur la partoche, mais je vous le dis. Vous pouvez le rajouter comme ça, du coup. Voilà, bon, bonne musique, à très bientôt, ciao.